Bonsoir, et je m'appelle Julie Toukam. Nous sommes en plein atelier. Ça va bientôt faire 2 semaines avec Monsieur Olivier. Et nous sommes très satisfaits du travail. Actuellement, nous sommes en train de faire la restitution. Nous allons présenter tout ce que nous avons fabriqué. Nous avons eu à fabriquer des marionnettes à gaine. Nous avons eu à fabriquer des marionnettes à taille humaine. Et nous allons vous présenter ça tout à l'heure. Merci. Je suis Olivier Ngoundé, le formateur à marionnettes. Je suis marionnettiste. Et ben voilà, on vient d'animer un atelier sur la création, la fabrication et la manipulation d'une marionnette à gaine et à taille humaine. C'est une initiation de théâtre en folie. Et là, je suis très heureux que ça soit bien passé. Et, alors, la marionnette, jusqu'ici, on a toujours l'impression que c'est pour faire des grimaces, c'est pour animer les enfants et tout ça. Mais pourtant, la marionnette, avec la marionnette, on passe des messages, on peut construire tout un, toute une société avec la marionnette. Et voilà, avec la marionnette aussi, on peut rentrer dans le cinéma, on peut faire de la télévision. Et en ce moment, déjà, j'ai écrit tout un projet qui est en cours, qui s'appelle Cinémario. Cinémario, bon là c'est pour les enfants, il y a Mario Info, il y a aussi Commérage, ça se fait. À partir de la marionnette, on peut faire du cinéma, à partir de la marionnette, on peut faire de la télévision, à partir de la marionnette, on peut sensibiliser des gens, des jeunes, des adultes, à faire des personnes de tout âge et de toute classe. Donc voilà un peu... Comme astuce que vous pouvez donner comédien pour qu'il transmette plus des émotions aux marionnettes. Comme astuce, c'est des techniques de manipulation. On l'a dit toujours, avoir une marionnette en main, ce n'est pas forcément, ce n'est pas la finalité. Il faut travailler tous les jours. Au lieu de faire 10 heures par jour et une fois par mois, il est mieux de faire 15 minutes par jour et tous les jours. Avec ça, on trouve des automatismes, on découvre même des pistes dont on n'imaginait même pas. Donc voilà, l'astuce, c'est qu'il faut tous les jours être avec sa marionnette et on va trouver ce qu'on a. Merci. On avait travaillé là-dessus et généralement on nous avait dit la première des choses, c'est que quand on prend un masque, il faut regarder, étudier le masque. Qui est le masque? Le masque vous renvoie quel est le sentiment qu'il vous renvoie quand vous le regardez? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une fillette?
Est-ce que c'est un monsieur âgé? Est-ce que vous... Ok, moi je vais dire merci à tous ces gens-là, tous ces gens-ci. Parce que ils sont arrivés, ils ne savaient déjà pas où ils allaient. Ils ne savaient même pas ce qui les attendait. Et voilà, on est arrivé à ça. Fait sur des marionnettes à taille humaine et des marionnettes alignées, comme vous avez vu. On a expérimenté, ça fait deux jours véritablement qu'on essaye. Et puis aujourd'hui, accident. Bon, voilà, je pense que c'était la pression.